jeudi 28, 29. Ça y est, on va être en reconfinement. Bon, j'espère que pour vous ça va aller, que pas de soucis de quoi que ce soit, même si j'imagine que pour certains ça va pas être simple, en tout cas, au moins en termes d'angoisse, tout ça. Chez nous, ça change pas grand-chose, si ce n'est que du coup, le chéri va être un peu plus en télétravail, et du coup, avec Jonas, c'est un peu plus simple, j'avoue, qu'il soit là. On a la grande chance que son travail ne soit pas impacté, donc, enfin, pas trop, pas de manière significative, disons. Donc, c'est cool. Donc là, comme il fait pas très chaud, j'ai allumé un feu. Ça, c'est vachement agréable. Ça fait partie des petites choses très chouettes de la nouvelle maison. J'apprécie beaucoup, c'est vrai que c'est comme la nature, ça a un côté apaisant. Même si j'avoue, mon côté anxieux, la cheminée c'est comme la piscine, c'est des choses qui ramènent un petit peu d'angoisse. La peur de qu'il arrive quoi que ce soit, bref, c'est pas très rationnel. Voilà. Aujourd'hui quoi ? Ben aujourd'hui j'ai continué de tirer du lait, de complémenter Jonas. Qui grossit, mais il lui manque encore un peu, donc il va falloir y aller. Voilà, donc oui, bah merci beaucoup pour tous vos retours super sympas par rapport au premier podcast, au premier blog. Je suis fatiguée. Et j'ai une migraine qui pointe, j'ai des douleurs cervicales. Ouais, la vraie vie. Parce que même si ça change pas grand-chose, la situation est quand même un petit peu stressante. Voilà, que celui qui n'a pas angoissé par rapport à la pandémie me jette la première pierre. Là, je me balance, ça va vous donner un peu mal de mer certainement. Et voilà, donc là je vais essayer de monter le deuxième, je vais le laisser courir sur plusieurs jours encore, je sais pas combien de temps, je me donne pas de temps, sachant que les promenades ça va être très limité, n'est-ce pas, et que du coup je vais pas filmer, je vais pas vous raconter ma vie pendant un peu des heures. Il y a Jonas qui est pas content, qui peut faire dodo, voilà. Bon bref, donc là je vais faire dormir Pépère, je vais faire mon sport. Et puis je reprends plus tard si j'arrive à tricoter deux rangs, vous montrer un peu où j'en suis, de mon gilet Kudzu. Et j'ai décidé que j'allais faire le Luna Pants en premier pour la couture. Parce qu'en prenant mes mesures, c'est le plus simple, disons, avec mes mesures cheloues post-grossesse. Voilà, allez, à plus tard. Une petite bêtise, il y a un petit brin que j'ai pas pris sur une maille d'un rang en dessous, donc je vais défaire encore une répétition je pense et refaire ma maille, non c'est pas celle-là, c'est celle d'après, et refaire ma maille correctement parce qu'en fait ça me chiffonne, je sais plus où c'est, bon bref je vais retrouver, c'est celle-là là, je l'ai retrouvée, vous voyez elle est toute tordue parce que quand je l'ai reprise, eh ben, je l'ai vrillé, je pense que j'ai fichu, bref. Voilà. Samedi matin, j'ai mon aîné sur la tête, une tête de la vraie vie. Il fait beau, on est confinés, ou presque, enfin, on sait plus trop à force, enfin bref, c'est le bordel.
Alors, je voulais pas trop, enfin, j'aime pas trop m'étaler, vous savez, sur ce qui va pas. Parce que j'estime que quand on a un toit sur la tête et à manger, on n'a quand même pas trop de raison de se plaindre, n'est-ce pas? Là, il y a le bordel encore aussi. Ah, enfin, le beau mur bleu. Voilà. Mais là, j'avoue, je suis un petit peu au bout du rouleau avec cette histoire de frein de langue de Jonas qui ne tète pas bien et qui ne grossit pas. Ça y est, il grossit à fond là, ça y est. Là, sa courbe, elle était comme ça, elle est comme ça. Tout va bien. Et puis normalement, le frein va être coupé. Priez tout, je prends toutes les bonnes ondes. Je ne sais pas si ce sera en ligne avant qu'on ait pu. Voilà, bref. Je suis mignonne avec mon turban. Voilà. Et puis en plus ce matin, je voulais faire du savon parce que ben, le dernier savon que j'ai fait est en cours et voilà. Comme il faut longtemps pour les faire sécher, ben, en fait la soude a disparu dans le déménagement. Me demandez pas comment c'est possible. En plus, je voudrais me faire enlever mes trucs là. J'ai des trucs qui sont apparus pendant la grossesse. C'est fantastique de vieillir. Et oui, je suis plus vieille que ce que vous pensez certainement, parce qu'en général, ça fait toujours ça. Et là, eh ben, on a désamorcé un conflit d'ordre international avec risque de guerre nucléaire entre nos deux enfants les plus vieux, hein. Les plus vieilles en l'occurrence. Et du coup, eh ben, il y a une pie. Là, elle est là. Hop, elle est partie. Et du coup, eh ben, ça c'est épuisant. Ceux qui ont des enfants le savent. Ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont déjà fréquenté des enfants le savent. Et je vais découper le patron des Luna Pants. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette manie là quand je parle avec le téléphone à bout de bras. J'ai toujours une main qui se met là. Il faut toujours que je me cache en fait, je crois. Hein? Voyez? Vous voyez la fille qui est à l'aise? Bref, j'enlève ma main. Et du coup, je vais découper le patron des Luna Pants et folie si je peux découper le tissu dans la foulée. La fille qui a des rêves, de l'espoir. On dit que tant qu'elle a de l'espoir, il y a de la vie, hein? Donc on va dire que c'est ça. Il faut que je cherche le tissu pour le faire parce que je ne vais pas utiliser le tencel que j'ai acheté chez sur un fil. Je voulais faire le pantalon de reste, mais avec mes mensurations de rêve en ce moment. Dans le tableau des mesures avec des rênes d'eau, c'est toujours un peu compliqué quand on a des mesures un peu cheloues. Et le Luna Pants, il a beaucoup plus d'aisance, donc je pars là-dessus. Et puis je vais prendre un des tissus que j'avais avant acheté pour faire un pantalon. On verra bien. Si ça va bien, je prends le tencel pour en faire un deuxième. Enfin, si j'arrive à en faire un premier. Voilà. Pendant que Jonas dort sur son papa. À plus tard. Bon, bah finalement, c'était une journée plutôt chouette. On a fait des gaufres pour le goûter. Là, j'ai Jonas qui dort, donc je peux tricoter un peu. Et mon chéri est en train de couper, de creuser une citrouille avec les filles. Voilà. Après, on va manger parce qu'il est tard. On a regardé Ponyo sur la falaise. On adore les Miyazaki. Et j'ai fait mon aîné. Ouais. Voilà. Bon, à demain. Demain, c'est la rentrée des enfants avec masque, youpi. Bon, bref, je vais pas parler de ça en fait. J'écoutais Marie-Pierre du temps d'une laine. Si tu passes par là, je pense pas, mais si jamais, coucou. Qui disait qu'elle avait eu du mal à revenir faire des vidéos après tout ça, parce que tout ça, la pandémie. Tout le soulèvement autour des personnes noires tuées par la police, du racisme en général, bref, tout ce qui va pas dans l'humanité. Ça me fait pas rire, c'est que
Je me dis qu'en fait, au bout de 2000 ans, quand même, on n'est toujours pas. Bref. Elle disait donc qu'elle avait du mal à revenir. Et j'ai toujours ma main. J'ai enlevé ma main. Elle disait qu'elle avait du mal à revenir parce qu'effectivement, c'était futile. Et... Enfin, ça paraissait futile. Et Jonas, lui, ça le fait rire, par contre. Et moi aussi, en fait, il y a quand même des jours où je me dis, franchement, là, qu'est-ce que tu veux que je publie une photo de tricot? Enfin, l'intérêt est où? En fait, l'intérêt, il est bah, pas tous les jours, mais c'est comme pour tout, en fait. Il y a des jours où on peut s'indigner, des jours où on n'a pas l'énergie. Et en fait, ces vidéos et ces posts, enfin, je parle pour moi, hein, ou ça n'engage que moi, donc. Ça permet aussi de s'évader un peu parce que bon, on n'a qu'une vie. Je pense qu'il faut s'indigner et qu'il faut voilà, lutter contre. On n'est pas obligé de lutter contre tout non plus parce qu'on peut pas. Enfin, voilà, à un moment donné, le cerveau il explose. Mon cerveau il a un peu explosé aussi par moment parce qu'effectivement, j'ai envie de lutter contre tout, mais je peux pas. Et ça fait du bien aussi d'avoir des moments comme ça. Ben, futiles, ouais. Ou pas futile, mais agréable en tout cas. Et voilà. Et bon, bah, j'en parle quand même parce que je peux pas aussi. Enfin, il y a un moment donné où. Il y a des jours où on peut éteindre Instagram quand on a plein de privilèges. Où on peut. On ferme, on est chez soi. On voit personne, on regarde pas la télé, on sait pas ce qui se passe dans le monde. On peut faire ça de temps en temps. Je pense que c'est vital aussi parfois. Puisqu'on a Oh non, on a sonné. Ah, ça y est. Quand on a le privilège de pouvoir le faire, c'est vital de le faire. Bon, bah, y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de le faire, donc bon, bah, eux le font pas. Et voilà. Et voilà. Alors bon, bah aussi, parfois, on peut regarder ceux qui nous font du bien quand on a le privilège de pouvoir le faire. Allez, je reviens à plus de légèreté plus tard. Salut! Allez, je fais une petite vidéo. Ça fait des jours que j'ai pas filmé. Je suis complètement à la ramasse. Là, je suis présentement avec Jonas Ounet qui fait une petite tétée avant d'aller chez la chiro. Ah, dernier rendez-vous avant qu'il se fasse couper son frein de langue lundi. Ouais, bah ouais, la vraie vie quoi. Désolée, la lumière est dégueulasse parce que bah, il est 18h10 et bah, on est en automne. Et j'ai la voix qui se barre. Sympa. Voilà. Donc, je prends toutes les bonnes ondes, même à retardement, parce que vous regarderez ça longtemps après. Parce que je pense que ça va durer des semaines, en fait, ce vlog. Vu que je filme 3 minutes, même pas tous les 4 jours. Bref, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus. Voilà. J'ai même plus de mots. Je vais juste essayer de faire ça un petit peu plus souvent, voilà. Le cerveau qui part en cacahuète parce que en fait j'aime beaucoup faire les vlogs, j'adore les monter, j'aime bien les regarder
Et a priori, on est nombreux, nombreuses à bien aimer regarder les blogs. Allez, à plus. J'allais dire lundi parce que hier c'était férié, donc j'ai l'impression qu'on est lundi. Et qu'hier c'était dimanche. Non, on est jeudi 12. On est jeudi 12. Ce matin, j'ai tricoté un peu ma chaussette. Là, je tire du lait. Donc vous avez entendu peut-être le bruit. J'ai de l'acné de folie à cause du masque. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a la petite Gabi qui en parle, qui a fait une vidéo pour aider à lutter contre le masque-né, n'est-ce pas? Voilà. Et là, ben, c'est bientôt l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Et Jonas se marre dans son transat en attendant que j'ai fini de tirer mon lait. Et il fait beau. Donc ça fait toujours du bien au moral. Allez, à plus tard. Je pense que je vais essayer de tourner jusqu'à ce week-end. Et puis j'essaierai de faire le montage ce week-end. Et l'homme m'a offert un nouvel ordinateur en avance parce que le mien, il n'en pouvait plus de la vie. Et en fait, comment dire que entre celui-là qui doit avoir. Oui, il est pas bien vieux, hein, il doit avoir 4 ans. Et le nouveau, comment dire, c'est le jour et la nuit. J'ai l'impression d'avoir changé de voiture, c'est-à-dire d'être passé d'une Twingo à une Ferrari. Et je pense que pour le montage, ça va être genre 10 000 fois plus rapide. Donc, même ne serait-ce que transférer les vidéos sur l'ordinateur, ça risque d'être 10 000 fois plus rapide. Donc, si c'est le cas, c'est cool, je pourrais faire plus souvent des vidéos. Voilà, allez, à plus tard. Bon, allez, je vais prendre l'habitude de vous faire des stories dans le noir dans la voiture. Oh, ça fait très fantomatique. Ça aurait été bien pour le. On est vendredi 13, remarqué. Ça aurait été mieux pour Halloween. Donc là, j'ai Jonas qui tête. Parce qu'on sort du rendez-vous avec la chiro. On y retourne la semaine prochaine. Parce que, bon, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Jonas a dû avoir les freins de lèvres et de langue coupés. Ne frémissez pas. C'est pas très énervé. Donc ça leur fait pas vraiment mal. C'est pas très agréable. Et puis après, c'est. Bon, bref. Il faut travailler dessus. Bref. Voilà. Et bon, bah voilà, le bout du rouleau, n'est-ce pas, n'est pas encore atteint, mais ne saurait tarder. Mais par contre, il y a quand même toujours du positif. Donc, bon, bah la chiro est super, donc c'est top. L'ORL était super, donc c'est top. Là, on a un petit moment tranquillou, même si c'est pas un canapé idéalement à la maison. Et on va chercher du Jap, parce que bah, faut bien compenser un petit peu. Voilà. Allez, à plus tard. Enfin, un autre jour plutôt, parce que pour ce soir, c'est bon.
16. On a dormi 4 heures. Je suis fraîche comme un gardon. Ou comme la bouteille de rosée de la veille pour ceux qui prennent l'apéro. Et je voulais arrêter le vlog ce week-end, mais ce week-end, je ne sais pas, il y a eu une faille spatio-temporelle. Et puis non, en fait, le week-end, je profite un peu de la famille. Hein. Parce que c'est bien, c'est mieux. Et puis en plus, oui et non, ici, je sais. Hier, on a eu une coupure de courant pendant 4 heures. Hier après-midi, j'ai un peu flippé pour le repas du soir. J'ai relancé l'homme sur l'idée d'avoir des panneaux solaires. Enfin, un moyen d'avoir de l'électricité par nous-mêmes, bref, peu importe. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, je me suis occupée de la petite bête, là. Voilà, qui, elle a dormi un peu, donc c'est rattrapé un peu, voilà. Et là, en plus, il est bientôt l'heure d'aller chercher les filles pour manger. J'ai tricoté 3 rangs de mon slip extravaganza, de mon slip, je préfère l'appeler mon slip, sachant que je suis complètement à la ramasse parce que j'en suis genre à la section 3, donc à l'indice 2, que je vais finir dans 3 rangs, quand même. Et je sais qu'après vient l'étape où il y a des trucs petit peu longs, hein, voilà, genre... des triangles, je sais pas quoi. J'étais en train d'écouter l'épisode Reconfit quoi de Mélise, la boutiqueuse. Et elle disait que c'était très long, oui, parce qu'après il y a 900 et quelques mailles. Bah là par exemple, tu vois, Mélise, si jamais tu regardes cette vidéo, je suis en train de finir les diamants. Hein, et moi j'ai pas oublié 30 ans. Voilà. Pourtant j'ai le cerveau en vrac. Mais tu sais quoi, un truc pour toi. Imprime tes patrons en format livret. Tu louperas moins de verso. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais essayer de... Qu'est-ce que je vais faire? Il faut prioriser. Je vais essayer de repasser un coupon, parce qu'en fait, j'ai toujours pas cousu mes pantalons. Hein. Je sais plus ce que je vous avais dit. Tu n'énerves pas, toi. J'ai abandonné l'idée de coudre le pantalon de Dresde. Pour l'instant, parce que au niveau de mes mensurations, c'était un peu chelou. Et du coup, j'ai décidé de passer sur le Luna. Mais en fait, je me suis rendu compte que... mais ça, c'est l'histoire de ma vie en couture en ce moment. Hein. Enfin, en ce moment, depuis des mois. À chaque fois que je coudre un truc, je me rends compte que je n'ai pas le bon métrage. Donc ça, en fait, c'est l'histoire de celles aussi qui achètent des coupons sans projet défini. Parce que quand c'est simple... Pas marrant. Donc du coup j'ai décidé de le coudre dans un coupon de double gaz que j'avais depuis voilà, et je me dis que de toute façon le pantalon double gaz pour traîner à la maison ou pour l'été ou pour le printemps ou pour l'automne, enfin ça sera, je les porterai quoi qu'il en soit. Et puis si je valide parce que il faut 2 mètres, je sais plus, il faut 2 mètres 60 je crois, parce qu'il a beaucoup d'ampleur en fait, c'est un pantalon large. Oui, qu'est-ce que tu nous racontes toi? Tu veux parler? Tu veux parler? Fais des bulles. Il faut beaucoup, beaucoup de métrage. Donc, du coup, eh bien quoi? Eh bien, mon cerveau s'est barré en cours de route. voilà. Je ferai de la coupe au montage. Oui, donc le Luna Pants. Oui, donc si je valide le Luna Pants en double gaz, j'achèterai, je pense, spécifiquement... de quoi le faire, parce que je pense qu'il est rapide à faire quand j'arriverai à trouver le temps. Voilà. Bon. Ah, il y a la machine à café qui s'éteint. Je sais pas si vous l'entendrez. C'est passionnant. Et alors, il fait un temps dégueulasse, mais lumineux. Voilà. Donc, en plus de mon slip, j'ai pas mal avancé la manche. Les manches, en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas les manches. Enfin, globalement. Parce qu'en fait, ça va super vite. Donc, j'ai fait, je pense, la moitié ou peut-être même les deux tiers de ma manche de kudzu. Je flippais un peu parce que je n'avais pas un métrage de ouf. Et j'ai demandé à Ludivine d'Arcoiris Yarn, à qui j'avais acheté la laine, si elle en avait encore, si je pouvais lui en recommander éventuellement. Et elle m'a dit que non, c'était un non reproductif. Donc, il va falloir que je me...
Je voulais le faire assez court pour mettre sur les robes. Bon, bah, il sera assez court finalement pour mettre sur tout. Il va falloir que j'assume mon bide. Et je me rends compte que je crois que je n'ai pas filmé. Donc, je ne sais plus. Je disais que j'avais avancé ma manche de kudzu. Que je ne comprenais pas les gens qui étaient sur Sleeve Island, comme on dit, le désert des manches. Parce qu'en fait, ça va tellement vite, les manches. Oui, donc j'ai fait la première, je dois en être à la moitié ou aux deux tiers. Et il va falloir que je fasse gaffe à la... Parce que je pense que je vais faire les manches longues quand même. Je vais faire comme avec mon Love Note, je vais faire les manches longues et puis je ferai le corps max. Sachant qu'il faut quand même que je garde du fil pour faire la bande de boutonnage. Et parce que j'avais prévu de faire le gilet assez court pour aller sur des robes. Et bah tant pis, ça fera comme le Love Note, je mettrai avec des t-shirts. Et il faudra que j'assume mon bide. On va la travailler là-dessus en 2021. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera le dernier jour pour le coup. Je vais quand même essayer de repasser mon truc là. Allez, salut. J'ai réussi un défi créatif. J'ai repassé mon coupon de double gaz. Maintenant, on part. Je suis habillée. Classe. Maintenant, on part chercher les grandes sœurs. Si j'arrive à couper mon tissu cet après-midi, c'est. Ah, alléluia. C'est pas sûr. Parce qu'il y a quand même cette petite personne qui risque de pas être d'accord. Allez, à plus tard. Voilà, Jonas vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée, un bon week-end, tout. Voilà. Allez, on est lundi après-midi et je suis dégoûtée. Parce que, bon, tout est relatif, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis toute seule. Je suis partie ramener les filles à l'école et Jonas dort sur son père qui télétravaille. Enfin, j'espère qu'il dort toujours. Et je suis partie faire deux courses parce que, bon, il me faut du lait parce que je le complémente avec du lait en poudre. Bref, ma vie, 36-15 Marie Drive. Et en fait, j'aurais quand même pu prendre un tricot parce que le magasin n'ouvre qu'à 14h. J'ai encore 20 minutes à attendre. Alors c'est bien de glandouiller sur Instagram et sur Facebook et sur je sais pas quoi et chercher des trucs à la noix sur Google. Mais j'aurais pu tricoter 4 ans quoi. Sérieux. Dites-moi que je ne suis pas seule à vous oublier le tricot régulièrement. Et l'acné du masque bat son plein, n'est-ce pas? Pourtant je me nettoie et tout. J'ai mis mon sapinage. Sapinage. Et mon châle dont j'ai oublié le nom de Marion M. Allez, je pense qu'ils sont en train d'ouvrir bientôt et allez, à plus tard. À couper le double gaz pour le Luna Pants. Yeah. Bon, c'était pas une journée trop dégueulasse malgré la fatigue. J'ai pu faire des courses et couper mon Luna Pants. Je vais éternuer. Il est 7h10, il faut que j'aille faire manger. Mais j'ai une petite bête qui dort. Et j'ai fini ma section 3, donc l'indice 2, de mon slip de Steven. Je vais l'appeler comme ça, le slip de Steven. Allez, à demain je pense. Ça n'a rien à voir avec le tricot, mais j'ai reçu
Nouveau porte-bébé qui va bien pour les tout petits et je vais l'essayer et je suis trop contente. C'est surtout pour l'homme, mais je vais m'en servir un petit peu, nous avons pour aller à l'école. Voilà, voilà. Voilà pour le test. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de type, de porte-bébé pour les tout petits, mais il faut dire que les marques se sont quand même pas mal améliorées, vous voyez. C'est la marque Limace et donc en fait on peut régler la hauteur partout là. La largeur ici. Oui, je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. Et surtout, on peut accrocher la bretelle ici ou ici sur la ceinture. Et bien, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai pas assez serré. Mais, monsieur valide. Il est un peu haut aussi, mais bon, bref. Ouais, je suis très contente. Donc, c'est un Limace Flex. Limace. Là. C'est le Flex, donc à clip. Et je l'ai acheté sur la boutique en ligne de Myriam, donc Tétard et Nénuphar, qui est à Antony dans le 92, si vous êtes par là. Voilà. Jonas vous dit bonjour. Et alors, je voulais vous parler d'un truc qui n'a absolument toujours rien à voir, c'est le petit déj de champion. Alors, c'est un peu moche comme ça, moi je fais pas des bouboles, machin, pour mettre sur Instagram, que j'ai découvert sur la chaîne de Esther. Si vous connaissez pas Esther, Esther Taïfé. Elle a une chaîne où elle parle de tout, et puis elle a une chaîne de coach où elle parle de perte de poids. Mais enfin, c'est vachement intéressant, et puis même sur sa chaîne où elle parle de tout, elle a toujours des sujets, enfin voilà, plein de sujets différents, et je trouve ça passionnant. Et donc là, elle avait fait un vlog au mois d'octobre, et donc elle partageait son petit déjeuner, donc flocons d'avoine, lait, celui que vous voulez, moi c'est du... Là c'est un mélange de lait de soja chocolat et de lait d'amande caramel. Avec une banane et du beurre de cacahuète. Et comment vous dire que ça déchire. Voilà, allez, à plus tard. Et en fait, on est mercredi 18. J'ai une coiffure pas si pire finalement. Et contre toute attente, Jonas a dormi 6 heures d'affilée avec son père. Parce que moi, je suis en mode dégoupillage de fatigue. J'ai fait un coma, j'ai l'impression que la nuit avait duré 5 minutes. Alors qu'en fait, j'ai dormi 7 heures d'affilée. Et ben, il fallait que je vous le dise, parce que c'est quand même la première fois depuis des mois, même avant l'accouchement. Allez, je vais essayer de tricoter un peu après, puisque Mister Jonas est tranquillou, il est dans son... Je vais essayer de vous le montrer. Il est dans son transat qui bascule, ça c'est pratique. Et du coup, à la contre-plongée, c'est toujours merveilleux. Ça fait pousser le double menton. Et je ne vais pas coudre du tout aujourd'hui, je pense, parce que si j'aurais déjà tricoté un peu, ce sera pas mal. Parce que j'ai plein de papiers à faire pour mes amis de l'assurance maladie. Je les déteste, ces gens. Si vous travaillez à l'assurance maladie, ne le prenez pas personnellement, mais vraiment, à chacune de mes grossesses, ça a été la fête du slip. Et là, je pense que c'est le pompon, c'est-à-dire que j'ai des trucs qui n'ont pas été remboursés de janvier encore. Hein. Ils ont remboursé le labo pour mes analyses de 150 balles. On m'a remboursé moi. Et ils me disent qu'ils ont bien fait ce qui était marqué sur la feuille de soins, sauf que c'est bien coché, remboursement assuré. Bref, je m'égare. Et puis mes indemnités journalières de maternité qui devraient déjà genre être l'équivalent de 3 euros par mois, bah, je peux me les mettre aussi au même endroit. Voilà, allez, à plus tard. Faut bien que je vous parle un peu de tricot quand même. Bon, alors j'ai attaqué les côtes de ma première manche. J'ai des ongles. Et comme j'ai plus que ça pour faire. Bon, enfin, mon écheveau il est quand même presque plein. C'est ma copine Mélanie, Melcouette qui m'a offert ça. Ça vient de chez Lily comme tout. Et la marque c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la marque. J'ai réussi. C'est Skin Coats. Voilà. PreciousKnitShop.com. Bon. Apparemment, il est comme tout, là. C'est rigolo, c'est mignon. Bref, donc, je vous disais, j'ai
plus que mon écheveau comme ça pour ma deuxième manche et mon corps. Parce que mon corps, vous voyez là, pour l'instant, il fait ça. Là. Je voulais court, mais quand même. Alors, du coup, pour magouiller, la reine de la magouille, eh ben, je fais mes côtes en 4 fils de lace. Parce que les écheveaux font 420 mètres. Et mon écheveau de fingering fait 400 mètres. Donc j'ai globalement un peu plus de lace mohair soie. Et alors en fait je pensais que ça allait faire vraiment une différence. Mais en fait franchement il y a moins de gris. Mais bon, comme c'est celui qui prend le pas sur le tricot. J'ai hâte de le finir. Celui-là ça va être un gros doudou pour l'hiver. Ça va être super. Donc voilà. Allez, juste pour le plaisir. Alors en fait j'ai chiné donc ce gris à paillettes foncées avec ce bleu gris et j'adore le résultat. Avec des paillettes qui brillent quand même suffisamment pour se voir dans le mélange. Ça va vraiment être un gros gros doudou quoi. Alors la dentelle se voit peut-être un tout petit peu moins que sur les versions. Mais bon, c'est joli quand même. Voilà. Bon, j'ai fini ma manche. Alors, du coup, on voit pas la distinction de couleur. Je suis bien contente. J'ai fait des côtes torses. Et j'ai fait le rabattage, le rabat, comme vous voulez. Il me semble que c'est le Jenny, surprisingly, stretchy bind off. C'est celui où on fait un jeté entre les mailles. Et ça me va parce que j'avais la flemme de faire à l'aiguille. Et je me suis dit qu'avec le mohair, ça allait être relou d'avoir un long fil et de coudre. Donc voilà, une manche, je suis bien contente. Voilà, je l'ai enlevé pour vous montrer. Ça fait en fait une chaînette, je trouve ça joli. Et puis du coup, c'est parce qu'on fait beaucoup de diminutions. Et du coup, c'est voilà, c'est suffisamment extensible pour faire au moins la largeur de la manche. Donc voilà. Vraiment en termes de couleur, on voit il n'y a pas les nuances grises comme sur le tricot, mais bon, enfin voilà quoi. Bon, ben maintenant je vais mettre cette petite personne dans un porte-bébé et on va aller se promener. Si j'en profite aussi pour vous parler de ce sac merveilleux, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être en fait, qui est, elle est canadienne. Je ne connais pas son prénom. Enfin, si, peut-être, mais j'ai oublié. Et donc, son nom d'artiste, c'est Twill & Print. Elle fait des superbes marqueurs. Alors, attendez, ils sont là. Et des pins. Elle fait des trucs trop, trop beaux. Donc, j'avais pris... j'ai fait une grosse commande, en fait, parce que le taux de change dollar canadien euro est super intéressant. C'est super beau. Elle fait des pins aussi. J'en ai pas là. Et... Elle fait des sacs superbes, en gros canevas ciré, avec du cuir et tout, enfin c'est vraiment... Et un jour je me suis dit que j'allais m'acheter des sacs, et j'en ai donc acheté deux, hein. Oui, j'ai craqué mon slip, voilà son nom, c'est Twill & Print, et j'ai craqué mon slip, mais franchement ça valait vraiment vraiment le coup, ça faisait quasiment 200 $ canadiens de moins, oui j'ai fait une grosse commande. Ne me jugez pas. Et en fait, franchement, ça peut vraiment servir de sac à main. C'est épais en fait. C'est très rigide. Et alors, franchement, en termes de finition, c'est assez fou quoi. Donc, j'en suis fan. Hein, voilà. Donc, il y avait 4 instits absents à l'école pour cause de cas contact. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail de l'instit d'Evangeline qui est aussi le directeur qui est qu'à contact aussi et qui ne sera donc pas là jeudi vendredi. L'école à la maison, youpi. Bon, enfin, j'espère qu'il va bien et qu'il a fait un test et il nous a dit qu'il serait certainement là lundi parce que le test sera certainement négatif. Et je parlerai pas de comment il gère l'histoire des cas contact avec le coup de tu dois attendre un certain délai pour faire ton test et de toute façon ton test tu vas avoir du mal à le faire parce que il n'y a pas de labo qui est dispo. C'est bordel. Allez, on se fait notre petite balade
de la journée. On va essayer de ramasser des déchets s'il y en a. Voilà, voilà. Et alors, je sais pas si ça vous fait ça à vous. Ça me fait rire seulement. C'est pas pour dire que les gens font des trucs nuls ou quoi. Mais j'ai l'impression quand même que chaque fois qu'il y a un confinement, tout le monde va se balader. Il y a un monde de dingue. Comme si le fait de ne pas pouvoir sortir, ça donne envie à tout le monde de sortir. Je me faisais la réflexion, vous me direz si c'est pareil chez vous, enfin pour ceux qui ont des enfants, celles et ceux qui ont des enfants. Et on devrait appeler tous les enfants Forest. Ils passent leur vie à courir. Je suis fatiguée, ça se voit. Donc on nettoie notre kilomètre. Salut Chantal si tu passes par là. Coiffure passe bonnet, il n'y a pas à dire, c'est quand même merveilleux. J'ai oublié que je portais mon bonnet sapinage. Le ticket c'est cadeau. Hein. Le bonnet sapinage que j'ai pas bloqué, enfin je le bloque parce qu'en fait clairement ça va pas. De Marie-Christine Lévesque et que j'ai fait en croft, que j'ai acheté chez Lily comme tout. Il y a Jonas qui se réveille, qui va couiner et qui se secoue comme un damné surtout. C'est le coloré, je sais plus, il a des taches violettes. Enfin, c'est subtil quoi. Je l'aime beaucoup. Maintenant, on va tester ça. Néobule est une marque que j'affectionne beaucoup, qui fait des produits pour les enfants, aux huiles essentielles pour les enfants, pour les femmes enceintes. Alors, celui-là, c'est pour les enfants assez grands. Et là, c'est un bain douche respirant, donc sapin et romarin. Et c'est moi qui vais le mettre dans le bain, parce que j'ai pas envie qu'elle me finisse le truc en 5 minutes. Sinon, ils font aussi des écharpes de portage et des porte-bébés. Voilà, et je l'ai acheté chez Tétarine Nénuphar, toujours, ma boutique en ligne, et à Antony dans le 92. Bonjour, on est jeudi, je sais pas, 19 je crois, il est 7h, et cet enfant, habillé tout en tricot des copines. Coucou Juliette si tu passes par là, coucou Julie, mais tu passeras pas par là. Essaye de se retourner, bonjour, j'ai 3 mois. Voilà, voilà. Donc déjà que quand il est sur le ventre, il se retourne sur le dos. Là, elle essaye de faire l'inverse. On n'est pas prêt. Cet enfant va aller beaucoup trop vite. Voilà, voilà. Bon, allez, j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'essaye de filmer, pas des masses aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a l'école à la maison, aujourd'hui et demain. Donc, il va vraiment falloir que je mette un terme à ce vlog. Hello. Bon, alors... Je voulais vous parler d'un truc que j'ai reçu, que j'ai acheté, c'est pas sponsorisé comme d'habitude, hein. Je vous le dis, si un jour on m'offre des trucs, voilà. Je me suis mise dans ma chambre parce que Jonas dort dans son couffin, dans le salon, une fois de temps en temps ça arrive. Alors ça fait du bruit, pardon. Donc je vais retourner la caméra, et enlever ça parce qu'il y a mon adresse. Alors voilà, donc c'est le terrier du lapin blanc. Donc c'est une famille qui produit de la laine angora, donc... lapin, et j'ai commandé des beautés. J'ai commandé ça qui est un mélange, je sais plus quoi. Il n'y a pas que de l'angora, il y a, je sais plus, bon, bref, il y a de la laine et de l'angora. Donc, je pense que je ferai un col avec ça. Évidemment, les couleurs sont toujours les mêmes, hein, du violet, du bleu, du noir, du gris. C'est normalement pas forcément un type de fil qui me plaît, mais là franchement je me suis dit que pour faire un col, en plus ça doit aller super vite, ça serait top quoi. Voilà. Et puis je ne pouvais pas ne pas commander d'angora pur, donc j'ai commandé, c'est un bleu froid gris, enfin qui a des petits reflets violines aussi, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Il manque des nuances, c'est hyper doux, c'est vraiment d'une douceur absolue. Et je me suis dit que pour me faire un pull en jacquard, avec plusieurs couleurs, ça serait très très bien. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Et en plus, ils sont très sympas. Et je vais vous faire un petit concours, je pense que le concours sera... juste après la sortie de ce vlog, parce que ça serait quand même pas mal que le vlog sorte avant le concours, sinon c'est moche. Voilà, voilà, parce que franchement j'ai envie de les soutenir. Ils ont fait des vidéos pour montrer comment ils récupéraient les fils de leur lapin, et enfin la laine, enfin voilà. Et c'est hyper bien traitant, enfin les lapins font partie de leur famille quoi, donc c'est trop trop cool. Moi je soutiens vraiment... ces gens, voilà.
Et dans la catégorie achat, j'aime pas trop faire ça d'habitude, mais là, franchement, j'ai trop envie. C'est vraiment des beautés. Alors, l'Angora, parce que, bah voilà, je les soutiens à fond. Et puis Julie, Lily comme tout, parce que bah c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon ami. Et puis, bah, j'adore sa boutique. C'est l'antre du diable, où on a toujours envie d'acheter plein de trucs. Enfin, moi, en tout cas, sur mon cas. Et j'ai craqué, là, il y a un spoiler. J'ai craqué un jour de déprime et de fatigue intense. Bref. Voilà, donc je me suis commandé des petits anneaux marqueurs trop jolis de Catherine Kuhls, avec qui elle travaille. Donc ceux-là avec des chiffres, bon c'est l'arc-en-ciel, hein, fatalement, j'avais même pas vu qu'il y avait des chiffres dessus, mais c'est pas mal pour compter. Des petits d'Halloween, donc il y a un fantôme qui brille dans le noir, il y a une petite citrouille trop belle, il y a un bout, il y a une toile d'araignée, il y a une tête de mort. Bref, ils sont trop beaux. En même temps, ces marqueurs à Catherine Kuhls, on peut pas. Vous avez sûrement vu déjà passer. Et puis, comme j'en avais pas encore, eh ben, j'ai acheté comment ça s'appelle? Une règle à échantillon, une jauge à échantillon, une jauge à aiguille, je sais pas, bref. Voilà. Et j'ai craqué pour Emilia et Philomène, c'est une teinturière québécoise, canadienne, québécoise, québécoise, je sais pas. Oui, non, elle est québécoise. Et ben voilà, parce que ces couleurs-là. Alors le rose, le petit rose passé qui tire un peu sur l'orange, je sais pas ce que je vais en faire. Mais soit pour intégrer dans un bonnet, soit voilà. Et alors le rose là c'est Janet. Et celui-là c'est Perugia. Et franchement c'est juste trop canon. Je pense que je vais essayer de chercher soit un projet qui soit que avec ça, soit un projet avec un fil qui le tue pas. Parce que même si le mohair en général. Passe devant l'autre fil que vous utilisez. Enfin, pour la couleur, disons, ça fait juste que ça chine. J'ai envie vraiment de garder c'est un vert gris assez indéfinissable en fait. C'est superbe. Donc, c'est sa base Léona. Donc, c'est un mohair soie classique, lace, 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Ah oui, et sinon, dans une autre catégorie, j'ai succombé à la folie des gnomes. J'avais déjà acheté un patron que j'avais jamais fait parce que j'adore le titre en fait. Celui-là, je l'ai acheté genre l'année dernière, c'est Here We Go Gnome Again. Hein, si vous ne savez pas d'où ça vient, si je vous chante la chanson, vous allez comprendre. Si vous ne savez pas, mettez-moi dans les commentaires. Si vous savez, mettez-moi de quelle chanson il s'agit aussi. Hein. Et on chantera tous ensemble, peut-être dans le prochain vlog. Si vous êtes au moins 10 à me demander, peut-être que je vous chanterai la chanson. Oh punaise, au secours. Donc voilà, et elle fait un cale là qui va commencer en décembre que j'ai acheté aussi parce que soyons fous, je me suis dit que ça serait des petits projets sympas pour faire de la déco de Noël et puis mes filles, je pense qu'elles vont kiffer. Donc j'ai acheté, elle faisait une promo aussi bien sûr, trois achetés, trois ou quatre achetés, un offert, bref, je sais plus. Donc j'ai acheté celui-là qui est bien mignon aussi et j'ai acheté les vêtements. Ouais, je sais. Alors bon, bah si j'arrive à en faire au moins 3 ou 4, je me dis, j'aurais rentabilisé mon truc. Et juste pour une petite information pour celles et ceux qui n'aiment pas tricoter en anglais, le Never Not Gnoming, donc c'est ce gnome de base avec trois tailles, ça se fait en figurine, est en français. Voilà, et on dit merci à Christelle de Tricot et Stitch, je vois qu'il l'a traduit. Voilà. Donc je pense que je vais commencer par celui-là. Et je continuerai avec peut-être celui que j'ai jamais fait encore, Here We Gnome Again. Je suis pas une grande fan de torsade, j'avoue, mais bon, quand même, là, c'est tellement joli. Voilà, mais sinon, de toute façon, il va falloir que je fasse le cal. C'est un cal mystère, il me semble. Bref, je n'ai même pas regardé encore. Voilà. Hello, on est vendredi 20. Pas trop mal dormi. La Jonas s'endort sur moi. Je travaille ma manche oui, la classe. De Kudzu, la deuxième manche. Et je regarde Bleach. Et je remercie Mylène, folie ordinaire, de m'avoir dit que c'était sur Netflix. Parce que je ne savais pas. Voilà. Et là, vous devez entendre ma machine qui tourne.
J'ai passé une heure à ranger ma cuisine. Oui, ma vie est palpitante, toujours. L'homme télétravaille, l'enfant, la grande télétravaille, et la petite est à l'école. Allez, à plus tard. Hello, on est samedi. Samedi 21. Et je vais finir ce vlog avec cette vidéo. Parce que sinon, je ne vais jamais la finir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en tété avec Jonas, en tête à tête. Le reste de la maison, à part Figaro qui dort à côté, je vous le montre après, est parti se promener dans les bois. Et moi, je regarde Bleach. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un manga animé. Et je remercie Mylène, je pense que je l'ai déjà dit dans une partie de vidéo de ce vlog. Je suis fatiguée. Jonas m'a réveillée toutes les 2 heures, voire 1h30 cette nuit. Et j'avoue que, voilà. Et donc Mylène, Folie Ordinaire, m'a rappelé que c'était sur Netflix. Et du coup, je suis très très contente et j'ai juste envie de binge-watcher Bleach. Il y a un mot français pour binge-watcher ? Faire une overdose de... Bah, overdose, c'est pareil. Je me fatigue. Bon, enfin bref. Je porte mon gilet Monceau que j'aime d'amour en molleton avec des paillettes de Mondial Tissu. Qui tient, ma foi, pas mal parce que ça fait des années que je l'ai fait. Peut-être 3 2, 3, 3. Bref. Jonas dort et moi, je suis en train de faire les côtes de ma deuxième manche. Bon, et en 5... Ça monte très vite, très très vite, en aiguille 30 cm. Là, je suis en train de changer de taille, donc il y a deux courtes. Et là, il y a Jonas un peu plus bas. Je montre mon lait, mais je ne vais pas montrer mes seins quand même. Voilà, voilà. Et Figaro, donc, alors attention. Voilà, Pépère, là, qui dort. Il ne sait pas trop comment se caler. Voilà, il est là, le petit chat. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger ce soir. Qu'est-ce que vous mangez, vous, ce soir? Je pense que si on se faisait une pizza et qu'on regardait un Ghibli, genre... On a regardé le château ambulant avec les filles. Non, le château dans le ciel. Je me rappelle, je l'avais vu, mais je me rappelle plus qu'il était aussi bien. L'autre jour, on avait regardé Ponyo. Ponyo, c'est un petit peu trop philosophique, quand même. Voilà, bon. C'est bien, mais c'est un peu plus... What the fuck, pardon. Et on va peut-être regarder le chaton ambulant, justement. On a regardé Arrietty. On avait regardé Totoro. On avait regardé Kiki la petite sorcière. Mononoke, on est d'accord qu'on le regardera plus tard parce que c'est quand même un petit peu sanglant. Et il y a le voyage de Chihiro aussi. Je sais pas. Bon, enfin bref. Dites-moi si vous les avez tous vus, s'il y en a un que vous me conseillez avant les autres. J'espère que je pourrai faire un petit épisode classique pour vous montrer dès que j'ai fini mon gilet parce que je pense que... Enfin, j'ai envie d'avoir des tricots finis parce que là, j'ai mon arc-en-ciel en cours, le corps est presque fini, mais bon, et puis c'est pareil, les manches, ça va aller vite. En worsted, voilà. J'ai mon gilet kudzu, j'ai très très envie de le porter, donc... Puis là, franchement, une fois que les manches sont finies, après, de toute façon, j'ai une quantité de... J'ai une quantité de laine limitée. Après, il me reste ça en fingering et ça en mohair. Donc le corps, de toute façon, il sera court. J'ai accepté... Pardon, je me suis dévouée pour faire un test. Bon, la date, c'est janvier, donc voilà. Et puis, pour Hélène, la case avant... pour un joli pull en jacquard en construction boxy et j'ai fait un boxy, c'est le boxy chevron et il est pas construit comme les boxy classiques, c'est à dire qu'en fait le boxy chevron vous tricotez les manches, il faut faire une couture sur une certaine distance et après il faut relever les mailles autour et après il y a tout le corps, donc il est pas du tout construit comme les boxy habituels entre guillemets. Et celui d'Hélène, là, il a une construction un peu plus classique. Et du coup, bah, comme j'ai quand même genre un stage qui commence un petit peu... Le stage en délire d'il y a quelques temps, c'est-à-dire que c'était quand l'année dernière, je sais plus, Juliette, si tu passes par là, mais je pense pas, tu dois avoir beaucoup de boulot. Rappelle-moi quand est-ce que c'était le stage en délire. Parce que là, le stage en délire, c'était rien. Là,
depuis le premier confinement, ça est parti en cacahuète. C'est parti dans les strates de l'atmosphère, là. Je peux pas tricoter, alors j'achète de la laine. Expliquez-moi le concept. Compensation des frustrations humaines. Bref. Et c'est pas encore Noël, mais j'ai mis une branche de houx qu'on a récupérée dans la forêt le week-end dernier. Bon, voilà. Donc oui, j'espère faire un petit épisode je sais pas quand. Qui sait, il y aura peut-être une cousette. Demain, je vais essayer de commencer mon pantalon. Si c'est possible, le finir, parce que je pense quand même que c'est pas très très long. Le problème, c'est que l'homme s'est installé sur mon bureau pour télétravailler. Donc, il a tout enlevé, il a mis sous son bazar, il s'est étalé. Voilà. C'est pas sûr. J'ai vraiment une vie, les amis. Mais alors, ce vlog est à l'image de mon état dans ce moment. C'est la fatigue extrême. Bon, allez. Sur ce, je vous dis au revoir. Et est-ce que je relancerai un vlog la semaine prochaine? Peut-être. Ou pas. Je ne sais pas. Et il faut que je fasse le tirage au sort pour les chevaux de bouclette aussi. Je vais peut-être pas réussir à couper tous les bâillements, donc je vais essayer d'en couper une partie, mais bref, soyez indulgents et indulgentes. Sur ce, belle soirée, bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Finalement, il y en a encore un petit bon aujourd'hui, parce que je vais essayer le coup de mon pantalon, je vais essayer. Mais bon, je sais pas, j'ai pas trop les yeux dans les yeux en face des troncs. Parce que cette petite personne fait une poussée de croissance. Elle se réveille toutes les heures et demie, voire 2 heures maximum. Bon, alors j'en suis à mon deuxième café. Il va falloir au moins ça. La coiffure, c'est pas ouf. Et en plus, ça caille dehors. Et voilà. Et j'essaye de filmer un peu le pantalon tout à l'heure, mais je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour coudre. Hey. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ce dimanche est le jour où on a décidé qu'on avait trop de temps et qu'on n'avait pas fait assez de travaux. Et je vous montre pourquoi je dis qu'on a trop de temps et il y a du linge, des panières. Attention. Voilà, donc ce matin, on déjeune, tranquille, on se met... moi, je me mets dans le fauteuil qui est juste à côté de moi pour faire tété Jonas. Et puis, je dis à Ben... c'est bizarre, j'avais pas vu que le carrelage il faisait une bosse comme ça, c'est quand même bizarre. Il se lave, il monte dessus, et puis on entend crac, 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 crac. Et le carrelage, en fait, ben, vous voyez, il y a un trou là-bas en dessous, il y a toute la colle qui a sauté, le carrelage est bombé. Bon, c'est pas grave. Hello, alors on est lundi, il est 4h30, l'homme est parti chercher les grandes filles à l'école et moi j'ai installé mon bazar. Je vous montre ce que c'est. Ça s'appelle un SNS, système de nutrition supplémentaire je crois, de la marque Medela. Et c'est super pour mettre, normalement c'est pour mettre du lait maternel. Il y a des petits tuyaux qu'on colle et qu'on fait téter, là il y a Jonas qui tète, je vais pas vous montrer. Et moi je rajoute du lait en poudre quand j'ai pas tiré de lait, donc je vous en parle parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, et c'est toujours le jour d'information qui peut servir même si on n'allait pas, parce qu'on a toujours une femme, une cousine, une sœur, une fille, une voisine, et si ça reste coincé dans un petit coin de votre esprit que ça existe, et ben vous pouvez le suggérer, voilà. Et je voulais aussi vous montrer mes chaussettes, c'est pour le cal Socks in the Mug, donc de Birou les Games et le nid de la Linotte, Marie et Fabienne. Fabienne et Marie dans l'ordre. Et alors du coup, donc j'ai fait les chaussettes Suzette. J'ai pas fait de pointe contrastante. En revanche, j'ai mis du contrastant pour les talons. Parce que je voulais qu'il me reste suffisamment de fil pour faire éventuellement des sockets ou des chaussettes pour mes filles. Et j'en ai profité aussi pour tester... les aiguilles double pointe que j'ai achetées il y a je sais plus combien de temps. Mais je m'étais jamais lancée dessus. Et en fait là je les ai mis juste pour les côtes. Parce que j'étais sur un cap trop court et bref. C'est un peu fastidieux parce qu'il faut savoir quoi faire des autres aiguilles. Et bon, je sais pas. Faudra que je réessaye. Je pense que c'est comme tout, c'est un coup à prendre en fait. Voilà. Donc et ben il faut que je fasse mon rabat à l'aiguille.
rabat-rabattage, je sais jamais. Et celle-là, il me manque genre deux couleurs, je crois. Donc, en fait, les chaussettes, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est toujours pareil, mais en même temps, ça va tellement vite. Et donc voilà, donc là, je pense que mes chaussettes seront finies ce soir, donc c'est cool. Je pourrais faire une photo demain si j'ai le temps. Parce que là, aujourd'hui, Jonas a dormi quasi toute la journée sur moi, donc je suis coincée. Voilà. Et puis, il faut que je réessaye mon kudzu pour voir où est le corps, parce qu'il me reste plus beaucoup de fil, donc faut pas que je me loupe, parce que j'ai encore quand même les bandes de boutonnage à faire. Hein. Et après, j'ai aussi mon grand arc-en-ciel, dont le corps est quasi fini, mais il faut que je regarde où il arrive et où je commence les côtes, et les manches, parce que les manches, ça va vite. Et après, j'aimerais bien faire des gnomes. Coucou Mimi, si tu passes par là. Voilà, voilà. Oh, le chat. Oui, donc je disais que je voudrais bien faire des gnomes. Après, ça irait vite. Et je pense que mes filles seraient absolument ravies. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bon tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir.